pour devenir un héros, ce n'est pas difficile. Salut à tous et à toutes, c'est Freeze, on se retrouve pour un Coliseum en position complètement plongeante. Je suis dans mes toilettes, comme vous pouvez voir, la faïence magnifique, en tenue pyjama du soir. Et tout simplement, ça faisait longtemps que je n'avais plus fait un Colisée chiotte, et j'ai décidé de faire une position plongeante. En fait, j'ai pas eu trop le choix, vu que mon PC n'a plus de batterie, donc j'ai dû le brancher, et je peux pas le mettre sur mes genoux, malheureusement. Donc du coup, eh bien, je suis obligé de filmer comme ça, et un Colisée chiotte, parce que ça annonce la défaite. Directement, parce que eh bien tout simplement, comme vous pouvez voir, c'est pas très équilibré au niveau de la composition des équipes. Et puis on va bien voir ce qu'on peut faire. Là on a un SRAM qui rox quand même pas mal du tout et qui a décidé d'aller roxer directement le sacrieur. Moi je pense que un focus du panda est plus intéressant. Par contre, comment le focus, ça va être une autre question. Je suis en train de réfléchir. Le panda joue avant moi. L'Eniripsa joue avant moi. Donc je joue avant le sacrieur. Oula, ça va être compliqué. Ça a décidé de roxer. Ça a vu que ça avait pas beaucoup de vitalité. Donc ça va me rusher cash. Bon, là pour le moment je peux survivre comme ça. Ça va se mettre en état picole. Ça va aller tenter sûrement d'aller choper les PA avec l'Eniripsa. Et le sacrifice avec le sacrieur. Donc qu'est-ce qu'il va nous faire Underslap? C'est pas la meilleure map que j'ai vue, hein. C'est pas... Je préfère une map cac là quand je joue mon Ekater comme ça, mais bon, on peut pas non plus tout avoir. Je suis désolé pour la résonance du micro. Hein. On est d'accord. Alors... Petit Eniripsa, petit Eniripsa, tu sais que je fais caca. Non, je rigole, hein, je fais pas caca. J'ai un trou dans le pantalon, ça fait... Alors... Qu'est-ce que tu comptes faire? Ça serait bien que tu te mettes en petite brochette. Par contre, j'arrive pas à lire qu'est-ce qu'il dit. Essayez de ne pas mourir aussi vite, EK. Bah ouais, ça serait cool. Ça serait cool. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va essayer de pas mourir aussi vite. Alors, petite roue de la fortune. Petit trèfle. Et on va aller donc allumer l'Eniripsa comme ceci, voilà. Pire, moins 551. Ouh, allez, vas-y, je sais pas, tu t'es fait mode preuve? Non. Ah, en CC c'est mieux, moins 640. Ouh, yeah. Alors, qu'est-ce qui nous fait notre petit sacrieur? 4554 points de vie. Il a fait tous ses châtiments, d'accord. Bon, ce qui serait bien, honnêtement, voilà, c'est le focus de... J'ai mal au poignet. Ce serait le focus du panda et de l'Eniripsa. Mais ensuite, je sais pas trop. En fait, je crois que je vais jouer comme ça, c'est mieux. Par contre, je sais pas si vous voyez ma tête. Je sais pas du tout, en fait, le réglage de la webcam. Oui, car je joue avec ma vieille webcam. Ah, c'est stylé, comme ça, en vue contre-plongée, là. Alors, est-ce qu'il a fait un sacrifice? Est-ce qu'il a sacrifié sa team, le... Ah ouais, il a sacrifié. Oh, le con. Oh le con. Là il y a une zone déjà, voilà, le SRAM il va se faire plaisir. Grosse zone à moins 757, une autre grosse zone à moins 838. Honnêtement, je crois que le sacri est mort. Si l'IOP arrive à tuer le sacrieur là, c'est nickel, c'est super. Après il va être obligé de faire bon, de faire ses sorts de zone, etc. Ça pourrait être bien. Après je crois qu'il a vu qu'il y avait une zone, hein. Il va balancer le SRAM de l'autre côté, il va sûrement casser la zone avec l'Eniripsa. Non, il va venir me taper moi, très bien, bon, d'accord, c'est ton choix. Le Yop va se faire plaisir. Là, il a une énorme zone avec l'Eniripsa et le Yop, et le Sacrieur du moins, excusez-moi. Donc ça serait bien qu'il y aille. Allez, vas-y, bon, précipitation, et vas-y, nique tout. Ouh là là. Allez, vas-y. Ah, ça c'est bien vu. Oh non, c'est mal. C'est mauvais. Parce que là, du coup, il a pas la zone sacrifice avec l'Eniripsa. Et du coup, il est même en position punie. Ah non, tiens, il va décider de... Oh là 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 là, non, t'es sérieux que t'as fait ça pour ça? Oh là là.
Seriousity. Bon, alors là, ça a prêve, ça fait du mot sacrifice, ça va donner du PA, ça va donner de l'érosion, ça va m'enlever du PA. J'ai 13 PA. Bon, 13 PA. Et ça va partir en courant, très bien. Est-ce que je le tue? C'est la bonne question. Est-ce que je le tue? 2 PM. Bon, bah ça c'est bien vu. Alors, moins 781. Ensuite, eh ben, on va tenter de le tuer. Par contre, je vais être obligé de me pencher pour faire un coup de cac. À moins 660. Et tout simplement, on va se faire une chance des cas, histoire de ne pas mourir. Et on va peut-être même essayer de partir. Ici, c'est très bien. Bon, ça va, j'ai presque bien... J'ai quand même bien entamé le Sacrieur, qui a 597 points de vie. Logiquement, le SRAM serait capable de le tuer, hein, de le finir. Après, on sait jamais. Bon, là, ça va être une grosse frappe sous ma chance des cas. Moins 795, j'aurais préféré quand même un soin. Alors là, c'est un soin à 300... Ça va être un soin à 306. Il va pouvoir me taper une autre fois. Normalement, ça va me taper logiquement. Et s'il me tape, ça risque de faire assez mal. Ah non, il va se faire un châtiment vitaliste pour essayer de résister le plus longtemps possible. Mais là, voilà, le SRAM va arriver. Il va lui mettre 2 AM. Il va lui caler 2 attaques mortelles. En tout cas, j'espère que c'est ça qu'il va faire. Voilà, une à 327 avec le châtiment vitalesque. Une autre à 404, donc ça c'est nickel. Voilà, nickel, le Sacrieur qui est mort. Et il s'attaque à la panda, moins 532. Il me reste 1300 points de vie, le panda va jouer, peut-être un debuff de la part du panda sur moi, mais il pourra sûrement pas me finir. Alors c'est qui a déconnecté? Ça a l'air d'être le Sacrieur adverse qui est mort. Bon bah tant mieux. Je vais m'occuper de Lenny, dit le Yop. Oui, pourquoi pas. Parce que là, de toute façon, le SRAM et moi, on s'occupe du panda. Bon, le panda va me débuff. Logiquement, hein. Logiquement, ça serait ça. Comme ça, Lenny pourrait venir me taper. Voilà, souillure, donc ça veut dire le debuff de la chance. Il y aura 5 PA, il va pouvoir me taper un peu. Ouh, panda Wasta, ça c'est bien vu. Et en plus, il va donner du PA au panda Wasta. Pensant peut-être qu'il allait bouger, je sais pas. Non, bon, il a pas bougé. Fail, oui, je pense qu'il voulait le stabi en fait. Il voulait le stabi, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire le petit Yop? Il va faire épée de Yop. Il a que 3 PA parce qu'il est sous pressif. Putain, ça... Bon, voilà, court ellipse de ma part. Tout simplement parce que j'ai fail. Camtasia a craché. Bah, en fait, j'ai débranché mon micro. Camtasia a craché. Et du coup, eh bien, vous avez raté en fait simplement mon tour de jeu et le tour de l'Iniopsa et le tour du SRAM. Donc ça veut dire, moi, mon tour de jeu, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait des griffes joueuses sur l'Iniopsa parce qu'en fait, je tentais de jouer mon tour et là, j'ai été debuff. Été debuff de contre-coup, 1000 points de vie. Ouh, ça va être chaud. Si le Yop ne fait rien sur l'Iniopsa, eh bien, tout simplement, je vais mourir. Alors là, il a fait un souffle, il y aura 8 PA. Oh, la colère du Yop, ça c'est nickel, ça c'est bien joué, voilà. La coco. Comme on fait dans les toilettes. Et là, il me reste que, eh bien, tout simplement, 114 points de vie. Eh bien, tout simplement, je vais pouvoir aller allumer un peu le panda. Et sachant que je suis plus boosté, 147, en plus il est sous ses résistances picoles. Pourquoi je ne peux pas faire de cac? Très bien joué. En état affaibli, j'avais pas fait gaffe. Et bien tout simplement, on va jouer au destin. On va aller lui faire une griffe joueuse aussi. Et je vais pas être capable de le finir. Mon gros Coisé Shot en plus avec le bug de Camtasia. Bon, c'est assez dommage. Le SRAM va le finir. Et puis moi, j'ai plus qu'à faire qu'à vous dire un gros bloc, bloc. Et une défaite qui s'annonçait en fait, qui est plutôt une bonne victoire due à notre Ox. Pourtant c'était une bonne compo en face, hein. Sacri Panda face à une Eryptor. En tout cas moi j'espère que Scolizam vous aura plu en contre-plongée dans mes toilettes. Et puis je vous dis à la prochaine, allez bye tout le monde, tchuss.